artiste, Daniel Morin. Oui, et en France, vous le savez, Mathilde, on a la manif dans la peau. Oh oui, on adore ça. Et ce qui est génial, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. En ce moment, le jaune est tendance dans les cortèges, mais attention, il n'y a pas que ça. La preuve, hier, une belle manif d'environ 50 000 participants a défilé dans les rues de Paris. Une belle manif anti-IVG. Waouh, ça calme hein, d'un seul coup. D'après les organisateurs, ils étaient, oui, 50 000 à participer à ce qu'ils appelaient la marche pour la vie. Bienvenue sur Radio Facho, la seule antenne patriote des ondes françaises, enfin, ce qu'il en reste. Hier fut un jour de gloire pour la France qui sait dire stop. Oui, la France croyante, la France qui considère l'enfant comme une denrée et qui sait choyer ses fœtus. 50 000 citoyens de tradition avec des valeurs d'hier, peut-être, mais des valeurs qui seront celles de demain et qui, en tout cas, sont nos valeurs actuelles. 50 000 Français de souche qui disent stop aux pratiques barbares qui autorisent les fornicateurs de gauche à sacrifier la vie plutôt que de contrôler leurs érections sataniques. Vivement la prochaine manif qu'on puisse appeler au saint retour de la peine de mort. Eh oui, mais ces gens qui manifestent contre l'avortement, d'où viennent-ils? De quelle époque? Des années 80? Femme des années 80. Non, quand on est femme jusqu'au bout des seins, on fait pas des manifs anti-IVG. En plus, Sardou est un grand démocrate. Il n'est pas du genre à chanter ce genre de louanges liberticides. Mais de quelle époque viennent ces gens qui souhaitent le retour de l'interdiction de l'avortement? Ah mais oui, bien sûr, du Moyen-Âge, comme on l'entend. Oh, suis-je con. Bon, bah, comment ça se déroule, une manif moyenâgeuse? Oyez, oyez, gens de France, allons-nous laisser les sorcières et notre rebouteux massacrer le fruit de nos saintes saillies? Non! Allons-nous laisser notre semence victorieuse réduire à néant? Non! Alors, mes frères, luttons! Non, non, non! Aux chasseurs d'embryons! Oui, oui, oui! Laissons passer la vie! Non, veux pas de l'IVG! J'ai le boulot de la femme, c'est procréer. Et Christine Boutin, avec moi. Si tu pratiques l'IVG, prends garde, prends garde. Si tu pratiques l'IVG, en enfer tu vas cramer. Monseigneur Barbarin, avec moi. Abstinence, tu es sacré. Garde ton slip. Si tu es trop excité, va voir un ami curé. N'empêche que ça a une gueule folle cette histoire. Ah bah tiens, puisqu'on parle de Moyen-Âge, lui aussi il a son petit côté médiéval. Moitié chevalier, moitié... je ne sais pas quoi. Nicolas... Je suis Jacouille. Oui, Jacouille de Moran, c'est bien lui qui à 8h20 recevra Gilles Legendre pour parler évidemment chansons de gestes et gestation. Et l'autre moitié c'est Troubadour, non? Je ne sais pas, c'est à lui de lui demander, oui.